Eh bien bonsoir, bonsoir à tous et à toutes sur Le Bon Coin des Vinyles en live. Le principe de l'émission, si vous ne le connaissez pas, je le représente une nouvelle fois, c'est bien sûr d'écouter des vinyles pris un peu au hasard dans ma cave. Une collection de vinyles que j'ai pas touché depuis un petit moment. Et puis là aujourd'hui on se fait un épisode un peu spécial, il m'arrive d'acheter des lots de vinyles sur Le Bon Coin, sur eBay, enfin peu importe. Et bah je découvre avec vous ce que j'ai acheté, je sais pas ce que j'ai acheté. Et puis bah voilà, on découvre ça ensemble, c'est assez rigolo des fois, on trouve des trucs un peu bizarres. Et puis bah là on a ouvert sur un titre fabuleux que je suis très content d'avoir puisque je ne l'avais pas, c'est Bob Sinclar, évidemment vous l'avez peut-être reconnu avec The Ghetto. Ah, The Ghetto, formidable titre de Bob Sinclar, sorti en 1998, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. 1998, sur son propre label, Yellow Prod. Bah oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bob Sinclar, c'est le début de la carrière de Bob Sinclar. Là, on était déjà tombé sur son album, d'où est tiré ce single. C'était Paradise, c'est ça, Paradise, parce que j'ai l'album, on est déjà tombé dessus. Bah, ça fait partie des premiers singles de Bob Sinclar, qui se faisait appeler avant Chris de French Kiss, et qui mixait dans les années 80, déjà pas mal, hein, le funk, le hip-hop, et qui est passé à la house dans les années 90, avec la vague de la French Touch et du succès des Daft Punk. Et bien lui en a pris, il a connu beaucoup de succès, bien évidemment. On va pas parler de Bob Sinclar, on va plutôt parler de The Ghetto, qui contient un sample de, comment il s'appelle, c'est pas Marvin Gaye. Je vais retrouver ça, bah, ça va me revenir, c'est un sample de funk. Et bah, c'est un morceau un peu aux accents, ouais, un peu acid jazz quand même. Voilà. Ce petit orgue, là on est un peu dans l'acid jazz, dans la funk, dans la house. C'est un morceau très funky. À l'époque, Bob Sinclar faisait beaucoup de house comme ça, hyper funky, aux influences des fois brésiliennes, des fois afro, jazzy. Bon, après il est parti dans les choses un peu plus, on va dire, commerciales malheureusement, mais à ses débuts, c'était un excellent producteur de house music très réputé, qui a tout de suite été repéré par ses magnifiques productions. Voilà, c'était un sample de George Benson, je cherchais, voilà, sample de George Benson, et d'ailleurs ce maxi, alors j'ai l'album, mais j'avais pas le maxi de Ghetto, à l'époque c'était pas mon titre préféré de l'album, je préférais My Only Love par exemple, et j'avoue qu'avec le recul, il est quand même très très bon ce morceau, il est très funky, très house, il est formidable. Écoutez, ce petit A commence bien, et j'espère qu'on va passer une bonne soirée à s'écouter des bons morceaux. C'est parti, un disque tout noir, je ne sais pas ce que c'est. Oh mon dieu, les Bassline Boys, oh mais on les a déjà eu les Bassline Boys. Je ne pensais pas tomber là-dessus, Alors les Bassline Boys, c'est ceux qui avaient fait Monsieur de Chavannes, hein, vous vous souvenez? Bah peut-être, certainement. Et ça, c'est... je vais vous le passer, mais c'est un morceau totalement honteux. C'est d'une vulgarité absolue. Le morceau, ça s'appelle « Je suis une grosse folle ». Tout un programme. Ah là 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 là, mon Dieu. Oh là là. Voilà, vous allez voir, hein, dès l'introduction... Je suis une grosse folle, j'aime prendre dans mon cul. Et ouais, voilà, je suis une grosse folle, j'aime prendre dans mon cul, bah voilà, bah ce sont les paroles de la chanson. Ah ouais, ils ont osé faire ça, on était dans les années 90, où je retrouve. C'est un morceau, d'une vulgarité absolue, c'est immonde, musicalement, c'est dégueulasse. C'est honteux. Et aujourd'hui c'est encore pire, aujourd'hui c'est impassable aujourd'hui ce genre de morceau. C'est... Bon, on va pas se l'écouter beaucoup plus, hein, parce que c'est à peu près ça pendant tout morceau. C'est un morceau qui est donc sorti en 1992, qui passait beaucoup sur Skyrock à l'époque. Je me souviens, il y avait une petite guéguerre entre Skyrock et Radio FG sur certaines émissions le soir. Et bah, sur Skyrock, on aimait bien ce morceau. Bah oui, c'est quand même un peu limite homophobe, quand même carrément homophobe. C'est vraiment pas à prendre au second degré, hein, je pense que c'est à prendre au premier degré. Au premier degré, c'est une bouse immonde qui va aller direct à la poubelle. Sur la face B, il y a la même version en probablement en flamand, je ne parle pas le flamand, mais j'imagine que c'est la même chose en flamand. Ah yeah, c'est un vinyle qui est quand même recherché dans les 10 euros. Bah ça vaut 10 euros. Bah vous savez quoi, je crois que je vais me faire 10 euros avec ça, parce que ça va pas traîner dans ma collection. Non, vraiment pas. Ça, c'est absolument dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Jingle. Oh non, des jingles encore. Nasty Talk, Rock the House, Heartbeat.
Ah mais non, mais jingle, ça a été écrit par le... Bon, bah c'est peut-être des jingles, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh là là, New Beat Fashion. Ah, génial, on repart dans la New Beat. Trop fort, Nasty Box, Rock the House. Mais écoutez, ça ne me dit absolument rien. Donc on va Design by... Bon, ça c'est celui qui a fait la pochette. Je ne sais pas du tout qui a fait ça. Oh putain, le disque. Oh mon Dieu, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le mec, il a fait du patin à glace sur son disque, là. Non, mais je sais pas si vous voyez. Alors, je sais pas si... Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi toutes les rayures, là. Mais en plus, elles sont même pas régulières, c'est ça. Il a fait de la sérigraphie sur le vinyle. Bon, bah écoutez, on va pas s'écouter cette face-là, parce qu'à mon avis, elle est dégueulasse. On va s'écouter la face 1. Bah déjà, heureusement, c'est la face 1 qui est pas abîmée. Ah, mais c'est Praga Khan qui a fait ça, c'est Inger Khan. Bon, bah d'accord, on a des spécialistes de la new beat et du son belge. Bah écoutez, ça va peut-être être du bon. J'avoue, je connais pas du tout ce morceau. Alors évidemment, j'ai dû me tromper encore de vitesse. Hein. Voilà, on est à 45 tours. Allez, c'est parti. Ah oui, on a du gros son industriel limite EBM belge là. Je sais que j'ai pas mal de fans belges qui risquent d'apprécier là. C'est du lourd là. Voilà. Là, on est vraiment dans la vague New Beat Underground, je trouve. Très underground. Un gros son très industriel. Là. C'est pas mal ça. Oh, ça me plaît ça. En tout cas, c'est bien mieux que plus de la moitié des productions New Beat sur lesquelles je suis déjà tombé. Je suis moins fan des guitares électriques, mais c'est quand même très EBM. Derrière cette production, bah oui, on retrouve toujours les mêmes, hein, Maurice Engelen et Chris Singer, les gens qu'on retrouve derrière, et ben Praga Khan, qu'est-ce qu'on avait encore, Lords of Acid, qu'est-ce qu'ils ont fait encore, là 101, bah ceux qui avaient fait Rock to the Beat, 101 évidemment, Major Problem, bon, il y a des centaines de morceaux qui sont en général assez underground quand même, ça va, c'est pas non plus, c'est pas le pire de la New Beat là qu'on a, au contraire, on a des morceaux qui sont quand même relativement costauds, et assez lourd et bien évidemment un tempo assez lent, hein, on est dans la new beat. C'est sorti quand d'ailleurs ce truc? En 1989, voilà, bah, on est vraiment au cœur du son new beat, hein. C'est comme je vous dis, hein, c'est largement au-dessus du lot de ce que j'ai eu en New Beat jusqu'à présent. Après, bon voilà, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est un bon son underground, très EBM, très industriel. Ça peut marcher dans certaines soirées quand même, hein, ça marche bien. Bon, par contre, alors ouais, alors la face B, là, c'est une catastrophe. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec son bruit, alors dites donc. Oh, c'est pas possible. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Status Break the Silence. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas terrible au niveau de la pochette déjà, mais bon. Ça a l'air espagnol, vu les noms que je vois. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, puis le truc derrière. Oh mon Dieu! Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, c'est dégueulasse! Oh là là! Oh putain, mon Dieu! C'est bien, c'est composé avec un doigt, remarqué. C'est facile, hein? Oh, ça c'est nul! Putain, ils se sont mis assis à faire ça quand même, hein? Ah, il a fallu du monde pour faire cette merde quand même. Oh, oh là là, c'est impossible. C'est, on est à mi-chemin entre l'Eurodance, la Dream Music. C'est immonde, mais c'est dégueulasse. On va s'arrêter là parce que c'est quand même bien débile ce morceau. 1994, voilà, c'est espagnol. Alors c'est dommage parce que c'est a priori fait par les gens de Max Music, hein, ceux qui faisaient les Max Mix. Je sais même pas comment on peut appeler ça. Une espèce de dance, trance dance, eurodance. Ah, mais c'est immonde, mais non, mais vraiment, mais c'est dégueulasse. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, bah, j'ai pas de bol, moi, hein, entre ça et les Baseline Boys, là, dites donc, ça commence pas très bien. Hein. Et bah là, on repart, alors là, on repart dans les années 90. On repart dans les années 90 avec un groupe que vous connaissez, Snap. Snap avec cette fois-ci Exterminate. Alors là, on est dans la.
on va dire, on est dans la deuxième phase de Snap, hein, une fois qu'ils ont fait leur Hip House à la The Power, etc. Et dans les années 90, ils sont passés à l'Eurodance et à la musique un peu plus dance-trans. Et Exterminate, c'est, il était pas mal ce morceau quand même. J'avoue qu'il était pas mal. Je ne l'ai pas, je suis content de l'avoir. J'espère qu'il a pas trop mal vieilli. Exterminate, très bon morceau, hein, qui est remixé pas mal, souvent en progressive. En... Ah ouais, ouais. Oh, c'était pas mal ça. Ouais, j'avoue, j'ai des trucs d'Eurodance que j'aime bien. Exterminate. On est parti dans un son très progressif et l'album c'est le deuxième album Madman's Return the Snap qui part, oui, mais la voix elle est magnifique là. Ouais, on a donc un morceau aux accents trans-progressifs, hein, qui alors oui, c'est de l'Eurodance, mais c'est quand même assez calme pour l'Eurodance, on n'est pas dans un tempo très élevé. Et puis donc c'est le follow-up, le morceau qui suit le méga tube de Snap, Rhythm is a Dancer, qui marque un virage, hein, dans la carrière de Snap. Ils ont commencé avec une espèce de hip house, hein, Mary Had a Little Lamb, il y a eu évidemment The Power, il y a eu Oops Up, et puis le deuxième album, bah, ils décident de partir dans un son plus Eurodance, plus trans, bien leur en a pris, puisque Rhythm is a Dancer est un carton, celui-ci marche moins bien, mais marche quand même plutôt pas mal. Exterminate, moi j'aime beaucoup, et après il y a encore eu Do You See the Light, qui était encore un peu dans la même veine. Bah, j'aime beaucoup moi cette série un peu de Snap en 1992. Ah, c'est bon quand même, hein. J'avais oublié ce morceau, je m'en souvenais vaguement, je savais que j'aimais bien à l'époque, c'est quand même plutôt pas mal. Exterminate, c'est la chanteuse d'ailleurs, c'est écrit en gros, featuring Nikki Harris. Et oui, car en gros, le chanteur, le rappeur Turbo B est parti, Thea Austin, la chanteuse qu'on entendait sur tous les morceaux jusqu'à présent, est partie aussi, elle a quitté le groupe, et bon, ils font appel à une nouvelle vocaliste, Nikki Harris, qui n'est rien de moins qu'une des vocalistes, enfin une des chanteuses, des choristes de Madonna. Les fans de Madonna la connaissent, hein, Nikki Harris. Je suis content de l'avoir dans le lot parce que je ne l'avais pas. Je vais me numériser ça, on va garder ça de côté. Il est long, hein, par contre, hein. Dites donc, je ne sais pas combien de temps il dure, mais... Allez, on continue. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh mon Dieu. Allez, hop là, bon, on va pas l'écouter celui-là. Hein. Alors, John Travolta et Olivia Newton-John, Two of a Kind. Non mais regardez-moi cette pose, ah bah oui, oui, oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Bah c'est un film peut-être, Two of a Kind. Bah oui, c'est un film, ils ont essayé de faire un... probablement qu'ils ont fait un film. En tout cas, la pochette est absolument dégueulasse. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis ça s'ouvre en plus, oh là 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 là. Ah alors, si vous voulez avoir un poster géant de John Travolta au-dessus de votre lit, voilà, qui enlace tendrement Olivia Newton-John. Bah voilà, vous choisissez votre face. Hein, voilà, soit vous avez ça au-dessus de votre lit. Allez, on continue. Un vinyle tout noir encore. J'ai eu peur de retomber sur les Baseline Boys. J'ai eu peur de dire, ah non, non, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est super épais, par contre. Hein. Oh là là là. Ah bah oui, il y en a deux. Voilà, c'est pour ça. Il y en a deux. Alors, c'est pour ça que c'est très épais. C'est parce qu'il y en a deux. Alors, qu'est-ce. Oh, bah alors, bah, je l'ai déjà celui-là, non? Les Daft Punk. Eh bah oui, bah les Daft Punk. Voilà, bah écoutez, je suis très content d'avoir un vinyle des Daft Punk complètement noir. C'est probablement un vinyle promo. Les Daft Punk Around the World. Bah écoutez, la dernière fois, on s'était fait des remixes absolument pourris de Around the World et Daft Punk par Gilbert, Étienne de Crécy, iCube. C'était vraiment pas bon. Hein. Écoutez l'émission de il y a 15 jours, vous verrez, c'est vraiment pas bon. Là, ce sont les remixes des Masters at Work, carrément. Il y a 4 vinyles, carrément. Mellomix, Masters at Work Remix. Et Ken Lou, bah Ken Lou, hein, c'est les Masters at Work, c'est Louis Vega. Et ben écoutez, on va s'écouter le remix des Masters at Work carrément sur la face A. C'est pas mal du tout ça, mais ça me dit rien du tout. J'ai un remix de Daft Punk des Masters at Work, mais le remix de Around the World des Masters at Work, on va s'écouter ça. Alors comme d'habitude chez les Masters at Work, ça dure 10 minutes, hein, 9 minutes 20, donc on ira peut-être, on va avancer un peu. Hein. Allez, waouh, pas mal ça. Curieux d'écouter ça. Est-ce qu'enfin on va écouter un bon remix d'Around the World? Ah ben je ne sais pas, on verra. Ça commence pas très bien. Bon, on va laisser sa chance au produit. Hein.
c'est quand même très très chiant. On va dire qu'on est sur l'intro du disque, hein, voilà, qui dure 2 minutes. Hein. Forcément, le disque fait 10 minutes, alors il y a 2 minutes d'intro. Bon, vous m'excusez, je vais avancer un petit peu, parce que là, c'est quand même vraiment pas terrible. Comment on peut faire d'un morceau aussi funky, aussi dansant, aussi infusé comme ça que Around the World, avec cette petite ligne de basse super sautillante, comment on peut en faire un morceau aussi chiant? Oh là 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 là! Mais ce sont pas foulés les Masters at Work, là, quand même, là. Là, sur le papier, vous avez Masters at Work, Daft Punk, vous dites, non, mais là, bah, et ben... Oh là là là, mais vous vous rendez compte que c'est ça pendant 9 minutes quand même. C'est-à-dire une boucle de basse, une boucle rythmique pendant 10 minutes, ça ne varie pas, il n'y a rien, je le vois sur le vinyle, il n'y a rien, ça ne varie pas. Ah non, mais non, mais Around the World, c'est pas possible, là. On n'est pas Around the World, on est sous terre, on est 10 pieds sous terre, on n'est pas autour là. Bon bah voilà, ça valait quand même pas le coup d'avoir un double vinyle non plus pour ça, d'avoir 4000, surtout que sur la face, sur les faces D et B, bah c'est des dubs, hein, donc déjà qu'il n'y a pas beaucoup de vocales, alors à faire un dub, hein, je vois pas trop l'intérêt, mais bon voilà, bon bah écoutez, tout comme les remixes de la semaine dernière, ceux-là sont quand même vraiment pas terribles, il y a que celui-ci qui remonte un peu le niveau, mais de toute façon, comme il est tellement proche de l'original, autant passer l'original, je vois pas pourquoi on passerait ce remix, il apporte pas grand-chose de plus, et d'ailleurs il ralentit un peu le morceau, il le rend plus deep. Bon, franchement, pas top, je suis un peu déçu. Moi j'aime bien les Daft Punk, mais là les remixes, bah, ça vaut vraiment pas le coup. Ça reste quand même un vinyle qui s'échange dans les 20 euros parce que bah, c'est du Daft Punk et c'est du Masters at Work et c'est un double vinyle. Mais bon, bah voilà. Bon, bah écoutez, hein. Oh là là, alors là, écoutez, alors là dans Slow il y a de tout. Alors là, donc on part dans tous les sens entre le John Travolta, la New Beat et la techno de Quench. Là cette fois-ci c'est de la disco. Et alors quel morceau de disco? Un superbe classique de la disco, A Taste of Honey, Boogie Hoogie Hoogie Disco Dancing. Eh bien écoutez, oh bah dis donc, mais c'est joli ça. Oh, un disque tout jaune, magnifique. Alors ça, c'est magnifique. On va s'écouter ça, c'est super. Oh là là, on est en 1978. Magnifique morceau de soul funk, disco même, disco en 1978, A Taste of Honey, ce qui signe sur le label Capitol. Ils auront plusieurs albums, et c'est vraiment le morceau, le single qui a vraiment cartonné. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, en 1979, c'est le premier groupe noir afro-américain à gagner un Grammy Award. Voilà. Et alors, ce qui est très drôle en plus sur ce disque, alors là, c'est une version un peu particulière. Voilà, vous avez disque miel, c'est un disque miel, puisque vous avez vu, il est tout jaune en fait. A Taste of Honey, ça veut dire un goût de miel. Donc écoutez, l'édition française, d'ailleurs c'est sorti en France, hein, c'est l'édition française en 1978, et ben c'est permis de faire un disque en miel, du coup, puisque ça s'appelle A Taste of Honey, c'est assez rigolo, mais enfin ceci dit, c'est quand même assez recherché, puisque ce vinyle s'échange entre 15 et 30 euros, hein, quand même, dans les 15-20 euros sur la plateforme Discog. Mais écoutez, je vais le garder, parce que je n'ai pas A Taste of Honey, je ne l'avais pas ce morceau, enfin je l'ai évidemment en numérique, hein. Mais j'avais pas ce maxi de disco, j'ai beaucoup de maxi de disco, et celui-ci je ne l'avais pas. Voilà, et ben écoutez, superbe. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, bye bye, merci d'avoir suivi l'émission, à plus, ciao.